Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 9 au 13 octobre pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 9, et le 13 octobre. Eh bien, l'ange Iéiazel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Iéiazel porte la vibration numéro 40 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le huitième et dernier ange de la famille du royaume des huit puissances. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Ce bel ange Iéiazel, c'est l'ange de la consolation, l'ange du réconfort. Il est l'ange lunaire de son cœur. Il fait pénétrer l'énergie martienne de son archange à l'intérieur de l'énergie lunaire afin de libérer les prisonniers qui s'y trouvent. En effet, l'énergie lunaire est formée des autres énergies cosmiques, c'est-à-dire planétaires. On peut donc dire que ces énergies cosmiques sont là prisonnières. Et voilà que des énergies martiennes font éruption avec ce bel ange Iéiazel pour tout libérer, selon le texte traditionnel qui explique que cet ange peut nous libérer de tout ce qui nous tyrannise, brime, oppresse, persécute, inquiète, angoisse, préoccupe. Cet ange est une sorte de Zorro, libérateur. En tant que lunaire, il a pouvoir sur l'édition, les disques, la presse, la radio, la télévision et le cinéma, sur tout ce qui est image et imagination. L'énergie lunaire produit aussi, par cet ange, le sel dont ses protégés pourront avoir une vie pleine d'intérêt s'ils invoquent leur ange gardien. Et ce bel ange Iéiazel, eh bien, il est dans la Séphira Gebura, dont c'est l'archange qui est dans cette Séphira, Kamael. Ce centre de vie est la demeure du chirurgien céleste qui opère dans les cas où les lois cosmiques n'ont pas été respectées. La Séphira Gebura procure la force et la vigueur et elle concerne le travail. Elle est associée symboliquement à la planète Mars qui représente, entre autres, la franchise, l'activité, le dynamisme et le courage. Alors, la famille des huit puissances, ces guerriers de lumière témoignent de la force, de la puissance divine. En leur présence, eh bien, l'énergie se manifeste dans son impulsion dynamique, sans être gaspillée en énervement ou en colère. Les puissances favorisent la fermeté dans l'action associée à une maîtrise des instincts. Ils apprennent à s'affirmer, à se gouverner et à s'assumer. Grâce à eux, tout être bénéficie d'une certitude intérieure qui lui permet de maintenir son cap sans se laisser déstabiliser par les turbulences extérieures. Ces anges sont aussi un lien avec la justice divine. Ils veillent à ce que chacun ne reçoive des présents de la vie que proportionnellement à ses mérites. La couleur attribué aux puissances est le rouge qui incarne l'énergie vitale et le courage avec la volonté. Ce bel ange Iéiazel, l'ange esthète qui favorise l'art et les métiers du livre, il facilite la création, accorde la liberté d'expression et délivre les dépendances. En œuvrant avec les anges, n'est-ce pas, en suivant leur enseignement,
Les épreuves deviennent plus claires, plus évidentes, plus visibles, et cela permet de retrouver un certain équilibre qui libère. Vous savez, c'est dans l'apprentissage de cet enseignement que nous pouvons évoluer et transcender les distorsions que nous avons de cette vie et de nos vies antérieures. Ces bénédictions, ces preuves sont là et vous redonnent le sourire, vous constatez votre progression et ressentez que votre état vibratoire augmente. Ainsi, vos œuvres se matérialisent et vous savez mieux vers où, vers qui les diriger. Car vous savez où cela est nécessaire et où cela risque d'engendrer des conflits. La prise de conscience des pouvoirs créateurs que vous détenez par votre naissance au travers de l'ange Yéyazel se manifestera de plus en plus, évidemment, plus fortement au rythme de vos relations avec lui ainsi que vos responsabilités. En faisant ce cheminement géologique, on peut tomber très bas, on peut être dans le gouffre. Pourquoi ? Parce que c'est en faisant ce travail avec l'ange, eh bien, que nous pouvons mettre en exerce tout ce que nous avons en nous et dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires. Et moi, je peux vous dire qu'en travaillant depuis maintenant des années avec l'angéologie, plus d'une fois, j'ai été dans le bas. Parce que ça va, on est en train de nettoyer en profondeur. On ne nettoie pas superficiellement. Vous savez, on peut dire, ah oui, mais ça, j'ai travaillé, c'est fini. Non. Si vous n'avez pas travaillé en profondeur, ce n'est pas fini. Yéyazel est l'ange des consolations. Il existe toutes sortes de prisons. La drogue, l'alcool, le jeu, le sexe, le pouvoir, l'argent. Le manque d'argent, les vraies prisons sont celles qui sont déguisées. Yéyazel vous aidera à retrouver votre liberté. Pour cela, il faut lui en faire la demande. Et il est important d'être sincère et juste dans celle-ci, dans votre demande. Sollicitez votre ange gardien pour qu'il puisse vous aider. Il ne demande pas mieux, mais si vous ne le sollicitez pas, il ne viendra pas à vous. C'est comme si vous voulez trouver un travail, vous devez solliciter un travail. Il ne viendra pas à vous. Eh bien, les anges, c'est pareil. Hein. Alors, ce bel ange Yéyazel délivre des ennemis. Avez-vous des ennemis? Posez-vous ces questions. Et qui sont-ils? Êtes-vous suffisamment attentif pour bien les reconnaître? Avez-vous seulement remarqué qu'il y en a en vous des ennemis? Yéyazel, c'est pas facile, hein, vous aidera à les démasquer en vous et autour de vous pour que vous puissiez vous en libérer. Toutes ces prisons, ces ennemis vous empêchent d'être heureux et ce bel ange est là pour vous soutenir. Il aime être représenté sous l'image d'un clown, d'un bouffon. Quel est le rôle du bouffon? N'est-ce pas celui de faire rire son auditoire en jouant de l'autodérision? Et ne se moquait-il pas du roi, ce bouffon? Que vous êtes par rapport à votre petit monde, celui qui vous entoure et sur lequel vous régnez? Les anges ont beaucoup d'humour, vous savez. Et c'est vrai, les anges ont beaucoup d'humour. Prenez les choses avec plus de légèreté.
Mais surtout, demandez. Ça, c'est très important. Demandez, demandez. Pour se manifester à vous, eh bien, Yézaël vous enverra des personnes ou des situations qui vous feront sourire et même pleurer de rire. C'est l'ange des consolations. Il vous délivrera de tout ce qui vous empêche d'avancer, de toutes vos prisons intérieures comme extérieures. Il agira en trois étapes. 1. Consolation. 2. Réconfort. 3. Réjouissance. Yéyazel domine sur l'imprimerie et la librairie, influe sur les hommes de lettres et les artistes, tout ce qui est télévision, radio, etc. Les personnes nées sous la régence de Yéyazel aimeront lire, dessiner et les sciences en général. Vous possédez le don de la motivation qui permet d'aller au bout de vos projets. La détermination, votre personnalité est en recherche d'équilibre en toutes choses. Et pour vous détendre, vous distraire, eh bien ce bel ange vous conseille de vous installer confortablement devant, pourquoi pas un film, un documentaire, une pièce de théâtre ou un spectacle qui vous fera rire. Cela vous sera bénéfique. Toutefois, si vous n'êtes pas né dans la période de ces 5 jours de régence de ce bel ange, vous pouvez utiliser ses vibrations, ses essences pour développer ses dons et pouvoirs. Il ne suffit pas d'être né sous la régence de ce bel ange. Vous pouvez le travailler en dehors de la régence des 5 jours. Alors, vous pouvez lui demander de vous aider pour tout ce qui concerne les livres, de la rédaction à la vente, de vous consoler dans les périodes de tristesse, détourner l'attention que vous portent vos ennemis. Aide ceux qui ont perdu le goût de vivre, de rire, ceux qui ont un chagrin d'amour, une maladie ou un deuil. Soutiens ceux qui veulent se débarrasser d'un vice et ou de mauvaises habitudes, ainsi que celles et ceux qui suivent un régime alimentaire. Alors ce bel ange Yéyazel, c'est la joie, la volonté, la transformation, il inspire les écrivains. Et les humoristes, les histoires d'amour, les belles histoires d'amour, enfin bon, voilà. Nous en venons à la prière de ce bel ange Yéhazel. Réveille-moi du rêve de la raison logique, afin que mon ange, mon entendement puisse être fertilisé par des aspirations. Je voudrais offrir à cette société qui m'entoure une vision équilibrée de ton royaume. Permets-moi, ange Yéhazel, de me libérer de mes ennemis intérieurs et extérieurs, de me dégager de tout ce qui me retient prisonnier dans des niveaux inférieurs afin que par le canal de mon âme, puis circuler, couler et se répandre ton message, les dons et les pouvoirs que tu veux m'accorder, et qu'ainsi tout le monde ait pleine confiance en moi, et que j'arrive donc par ta grâce à la vie élevée spirituellement, claire et paisible moralement, riche et prospère matériellement. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions et nous retrouvons dans les qualités consolation, réconfort, appréciation, phase de renouveau, consolation après les efforts, restaure et revitalise le corps,
aide à récupérer la pleine forme, empêche les débordements émotionnels, aide à maîtriser la passion et les énergies très intenses, libère des conditionnements affectifs et des dépendances de toutes sortes, alcool, drogue, etc. Délivre les prisonniers. Fin d'une période d'épreuve ou de situation difficile marque une nouvelle période beaucoup plus facile. Apporte paix, harmonie et réjouissance. Commencement d'une nouvelle création. Et nous terminons dans les qualités touche l'écriture, les éditeurs, l'imprimerie, les libraires, les bibliothèques, la lecture, la musique, la peinture et les arts en général. Et dans les distorsions humaines, eh bien, nous avons difficulté à réconforter les autres, manque d'intimité, oui, et de renouveau, pensée pessimiste, tristesse, accumulation de problèmes, épreuves, périodes difficiles, également et débordement émotionnel, dépendance, passion, sentiments tumultueux, découragement, manque de confiance, tendance à fuir la vie sociale, réclusion, maladie pouvant entraîner la mort, écrit malheureux, triste, pessimiste, et nous terminons dans les distorsions humaines, musique et autres formes d'art destructrices. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, eh bien, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître une vidéo sur votre écran. C'est une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un pouce bleu. Pour faire connaître ma chaîne, c'est très gentil. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube, de votre écoute. Merci à tous mes abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés. On se retrouve. Vous pouvez déposer votre demande d'attention en commentaire, si vous le désirez, en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec l'ange Ahael, porteur de la vibration numéro 41. Dans le calendrier angélique des 72 anges et qui régira du 14 au 18 octobre. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.